Et bonjour à tous les amis, je suis contente d'entrer aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes trois dernières lectures. Et quelle belle édition! Ça fait plaisir, vous savez, de lire que des livres qu'on adore, voilà. Cela dit, il y a eu un faux départ pour une lecture, je vous en reparlerai après. Et peut-être que je vais essayer de la reprendre. Mais bon, ça arrive, des fois on commence un livre, ça passe pas, et ben il faut le mettre de côté. C'est quelque chose que j'ai souvent du mal à faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi. D'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon petit compte Instagram, et je m'excuse par avance si vous entendez peut-être en face, il y a un parc, en face de chez moi il y a un parc et forcément ils l'entretiennent. Et donc là aujourd'hui il y a des jardiniers qui ont décidé d'avoir le même emploi du temps que moi, sauf que eux ils ont une tondeuse et moi j'ai ma caméra pour tourner cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous gênera pas trop, on les entend pas non plus des masses, mais bon c'est vrai qu'ils sont juste là. Alors waouh, c'est vraiment une édition de folie. Donc nous avons, hop, voilà, parce que j'essaie de pas le perdre, ce petit truc, voilà, les trois lectures dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est assez dingue parce que je crois que tout c'est des prix des libraires ou prix de... Comme quoi, à chaque fois quand je vous parle du prix des libraires, c'est une valeur sûre. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est vrai. Je sais pas si je vais vous présenter un livre audio ou pas, puisqu'il me semble que j'ai pas trop lu, je suis en train de préparer des courses en ce moment et pendant mes séances j'écoute plus de musique que de livres audio, enfin ça dépend des fois, bref, je n'avance pas trop. N'hésitez pas à me partager d'ailleurs en commentaire vos dernières lectures, ça me fait toujours plaisir de voir un peu vous, ce que vous lisez, si vous avez des petits coups de cœur, ça permet d'avoir vraiment de très très belles découvertes. Alors on va commencer tout de suite par ce petit roman, je crois que c'était une recommandation que j'ai eue suite à un autre livre que j'ai lu, écrit par un autre cher... Un cher auteur québécois. C'était avec le bibliobus de l'automne, aux couleurs d'automne, je sais plus, donc bref, je vous mettrai juste ici. Je ne suis pas quelqu'un qui mémorise facilement les titres des livres, je peux tout à fait vous raconter ce qu'il y a dans le livre, mais les titres et des fois même les noms des auteurs, ça ne reste pas. Et d'ailleurs, même si je peux être en train de lire un livre, quand on me demande qu'est-ce que je suis en train de lire, je peux vous complètement sécher sur le titre du livre, juste je peux vous raconter ce que je suis en train de lire. Donc voilà, j'ai pas du tout de ce type de mémoire-là. Donc, ce petit livre, il est tout petit, il fait une centaine de... page à peu près, voilà. Mais pourtant, il est vraiment magique. C'est une autrice québécoise, Gabrielle Filto-Chiba. Le petit titre, c'est Encabané. Et j'ai trouvé le résumé représente beaucoup du mouvement actuel de beaucoup de personnes qui retournent vivre en région ou vivre carrément à la campagne. Et bon, là, c'est un peu plus poussé, mais personnellement, je suis beaucoup sur YouTube, justement, des femmes qui vivent dans leur maison reculée, quasiment en autarcie, et je trouve que c'est super badass. Si j'adore ce type de chaîne, je trouve que c'est super inspirant de voir des femmes bricoler, des femmes se démerder, enfin bref. C'est pour ça que ce livre m'a donné envie de le lire. Voilà, et là, c'est le cas. C'est à peu près la même chose. Il n'y avait pas de mots assez souples et multicolores. Les couleurs de cette nuit blanche ont réveillé en moi une palette d'espérance bien plus que tous les amants du monde. L'hiver me sembla chaque jour plus doux, plus lumineux, plus riche en apprentissage. Lassée par un quotidien aliénant, Anouk quitte son appartement de Montréal pour une cabane abandonnée dans la région du Kamouraska, là où naissent les belugas. Encabanée au milieu de l'hiver, elle apprend peu à peu les gestes pour subsister en pleine nature. La vie en autarcie à moins 40, c'est une aventure de tous les instants, un pari fou, un voyage intérieur aussi. Anouk se redécouvre, mais sa solitude sera bientôt troublée par une rencontre inattendue. Voilà, on va pas parler de la rencontre. C'est magnifique. La description de la nature, la description de sa cabane, la description de son quotidien. Oui, elle vit quand même un peu comme une ermite, on peut dire, parce que elle voit quasiment... Elle voit personne, elle sort pas trop de sa cabane, hein, et surtout qu'il fait froid forcément. Et comment elle se retrouve à devoir bricoler des petites choses, ou des fois il y a quelque chose qui marche pas. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment passionnant. Et effectivement, elle fait une rencontre très intéressante qui parle un peu sur votre engagement environnemental, sur les activistes. Et alors attendez, j'ai corné des pages. Peut-être que j'ai des citations à vous lire. Ça c'est bête. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui écrit dans les livres. Mais c'est vrai que je me dis qu'il faudrait quand même que je prenne un crayon là, un crayon taillé déjà, pour souligner au moins les citations que je vais vous dire, parce que là corner les pages c'est cool, mais il y a quand même 4 pages, il y a soit les deux pages d'avant ou les deux pages d'arrière,
Ah oui, et ce que j'aime dans le livre, regardez, c'est que vous avez en fait vous avez des petites pattes, des petits dessins. Il n'y en a pas partout, hein, mais je trouve ça très très beau. Et surtout, il y a une alternance entre bah, la narration de ce qui lui arrive et un journal qu'elle tient. Et c'est assez drôle de tomber dans ses pensées. Voilà, je vous le lis. Construire pièce sur pièce ma définition du féminisme rural. Je suis folle, non, j'ai un idéal. Féminisme rural, quel est le générique? Philosophie, loin de la rage, carriériste. Et de la folie des grandeurs des temps modernes, on pourrait dire que je manque d'ambition, qu'on ne m'a pas payé de hautes études pour que je fende du bois. Mais on sait tous que réponse et les oiseaux en cage finissent par s'évader. Pour se satisfaire d'une vie de captivité du haut d'une tour ou aspirer au plus prestigieux trône, il faut, semblerait-il, oublier qu'être féministe, c'est aussi ne pas avoir envie d'égaler qui que ce soit. Incarner la femme au foyer au sein d'une forêt glaciale demeure pour moi l'acte le plus féministe que je puisse commettre, car c'est suivre mon instinct de femelle et me dessiner dans la neige et l'encre les étapes de mon affranchissement. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'être féministe, c'est pas forcément devoir aller manifester et être plutôt dans la colère. Et c'est bien aussi que être féministe, c'est aussi pouvoir être une femme indépendante et juste prendre ses propres décisions. D'ailleurs, hop, j'ai gardé vous savez, le petit truc de couverture, là, je sais pas comment ça s'appelle. Souffle de liberté d'une jeunesse qui veut larguer les amarres. Voilà. C'est un bon petit sous-titre. Et voilà. Bref. Et puis même la couverture, elle illustre vraiment bien avec le l'aube derrière, c'est magnifique. Voilà, c'est un livre super court à lire, mais je trouve qu'il y a plein de choses, ça grouille de nature, de féminisme, d'idées, de philosophie. Et puis c'est magnifiquement bien écrit. Voilà, c'est clair que je relirai des livres de Gabrielle Fito-Shiba. Voilà, c'est un 5 étoiles. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que des 5 étoiles ce mois-ci. Ça tombe bien, ça nous fait plaisir. Alors, on passe à Madeleine Miller, une autrice que vous m'avez recommandée mais plein de fois. Donc, j'avais acheté Le Chant d'Achille et j'ai aussi Circé qui traîne dans un coin. Team latiniste, par ici, qui avait donc pas mal étudié la mythologie. Ok, c'est sûr que c'est plutôt les Romains que les Grecs, mais nous étions partis en quatrième en voyage en Grèce. Le voyage de malade. À l'époque, c'était déjà écologique puisque on avait pris le bus jusqu'en Italie. Ensuite, on avait pris un bateau jusqu'en Grèce. Et ensuite, on avait visité des lieux historiques en Grèce en bus et en bateau. Et c'était assez ouf ce voyage et j'aimerais bien y retourner en Grèce. Bref, tout ça pour vous dire que moi, j'ai été marquée par Achille et le péplum avec Brad Pitt. Et autant vous dire que j'ai été bouleversée quand j'ai lu ce livre, qui est donc forcément inspiré de la mythologie avec Achille et la guerre de Troie. Sauf que bon, Madeleine Miller reprend les personnages et je pense pas qu'elle réécrit l'histoire, elle la romance, ça c'est sûr. Mais voilà, elle apporte. De toute manière, il faut se dire, tout ce qui est histoire de l'Antiquité, tout ce qui est ces sortes de légendes d'Homère, on n'est jamais sûr à 100% que ça a vraiment existé. Et surtout, ce que je trouve ça dingue, parce que j'ai lu des critiques sur ce livre, désolée avant de me lancer, mais c'est juste pour mettre le terrain en place, qui disait oui, que c'était complètement alambiqué, complètement sorti en fait du contexte historique. Je rappelle juste qu'en fait ça se trouve Achille est dit que c'était un demi-dieu. Donc où est le contexte historique à ce niveau-là, hein? Et surtout que elle est pas 100% dans le faux sur ce dont elle parle. Et voilà, donc si vous êtes passionné d'antiquité, passionné de mythologie, et ben pour moi clairement franchement elle a fait le taf, voilà. Donc au bout d'un moment on a le droit aussi au 21e siècle de adapter une légende. Voilà, je vois pas où est le souci. D'ailleurs, justement, j'ai fait mes recherches et je vous en parlerai après. Je vous donne d'abord le résumé de c'est pas un petit livre quand même, hein. Voilà, on a plus de quasiment 500 pages, c'est assez dense mais purée. Ça se lit mais je ne pouvais plus la lâcher. Bref, Le Chant d'Achille, rien que là, elle est très simple la couverture mais elle est magnifique. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, il faut arriver à le lire, Agamemnon, hein, les jeunes princes se joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles.
Impossible de lâcher ce livre, toute la sauvagerie et le frisson de l'antiquité d'Onatar. Éprise de ses personnages, l'auteur ramène à la vie les statues antiques et l'on sort de ce livre avec une grande envie de se replonger dans Homère. Faut pas déconner quand même. Cet ouvrage a reçu le Orange Prize for Fiction. La traduction est nickel. Voilà. Alors, disons-le tout de suite, c'est une magnifique histoire d'amour. En fait, si vous avez étudié la mythologie grecque, Homère, vous savez qu'il y a des amours homosexuels. Donc, pas surpris de ce qui se passe dans ce livre, mais c'est fait d'une... C'est tellement poétique, touchant. C'est... Il faut que j'arrête de faire ces vidéos juste avant mes règles parce que j'ai trop d'émotions à chaque fois. Mais c'est un livre, cette personne a une plume poétique pour vous partager en fait les sentiments, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, toutes les pensées qui peuvent nous traverser. Et à la fois, il y a donc cet amour entre ces deux personnes. Et quand même l'histoire qui continue d'avancer, la destinée d'Achille qui doit supplanter en fait cet amour-là. Effectivement, on reste sur cette histoire entre l'adolescence d'Achille et la guerre de Troie, que je trouve, on se plaint quand on voit le péplum de Troie, donc des années 2008-2010, je ne vais pas dire de bêtises. Film à hétéro-normé et changé Achille, qui était donc pas du tout de base plutôt hétéro, hein, puisque je suis allée un peu sur Wikipédia, j'ai regardé, je me suis dit, parce que j'avais pas du tout ce souvenir, j'ai regardé quand même les certaines scènes de Troie avec Briseis, et je me dis, mais attends, ils ont complètement changé en fait le personnage, et là, qui c'est qui gueulait? Bah, personne gueulait, et là, ce livre qui peut-être revient à... la vérité, je mets des gros guillemets, hein. Désolée pour les guillemets en l'air, tout ça. On revient finalement au trait de personnage qui était donc homosexuel. On lui fait des reproches, alors que si on regarde sur Wikipédia et j'ai regardé sur d'autres sources, voilà, en fait, beaucoup d'auteurs s'accordaient déjà à l'Antiquité sur le fait que bah, Achille était... le mot n'est jamais prononcé, mais... avait donc un penchant pour les hommes en fait, et c'était quelque chose qui était d'ailleurs tout à fait tout normalisé, on va dire, à l'Antiquité. Bref, tout est d'une poésie, d'une douceur, c'est très très bien traduit, vraiment, il y a beaucoup de références aux légendes d'Homère, au comportement des dieux, enfin voilà. Et même si vous n'avez pas fait latin ou grec, et donc vous n'avez pas trop étudié l'Antiquité, l'Olympe, et ben ça vous parlera quand même, il n'y a pas besoin de savoir qui était Zeus pour comprendre ce qui se passe dans ce livre. C'est juste magnifique, en fait, elle prend vraiment une fresque, pas historique, mais homérique pour écrire une histoire mais magnifique, franchement. Et d'ailleurs donc c'est une histoire il faut le dire, donc entre Patrocle et Achille, et moi je suis hétéro et je peux vous assurer que même si c'est une histoire d'amour homme-homme, et ben je vous assurer que ça vous touchera autant, si ce n'est plus, parce que c'est différent et que c'est mais tellement beau, voilà. Pour moi, ce livre est beau. Il n'y a pas autre chose à dire à ce sujet-là, tellement tout est parfait. Voilà, c'est un 5 sur 5. Et je crois foncièrement d'ailleurs qu'on devrait l'étudier aussi en classe de grec grec, oui, parce que d'ailleurs, est-ce qu'il y a toujours ces classes-là, des grecs, du latin? Je ne sais pas. Déjà, à mon époque, c'était... pas les classes les plus fréquentées, hein. Mais bref, alors ça reste une fiction, hein, mais l'Iliade aussi est clairement une fiction, faut pas croire que c'est forcément des faits historiques, mais voilà, hein, c'est un livre 5 sur 5, et je me suis pas précipitée sur Circé, parce que la trace, j'ai dû faire mon deuil hein, ensuite, hein, parce que j'arrêtais pas de penser à Patrocle et Achille, enfin ça, la fin aussi est... Franchement, des fois, il y a des livres qui sont magnifiques et qui finissent comme l'un des autres livres dont je vous avais parlé là, sur la mémoire de l'eau, là, Paper Palace, où la fin, je me dis, mais j'ai toujours pas compris cette fin d'ailleurs. Mais là, cette fin, enfin bref, lisez-moi cette pépite. C'est une pépite, ce livre. Et voilà, je me précipite pas sur Circé parce que j'ai besoin de faire le deuil de cette histoire magnifique, cette douceur. C'est voilà. Et donc, je parle d'amour, mais il n'y a pas du tout de...
de pornographie ou de scènes dérangeantes et voilà et c'est cool un peu de tomber sur un livre où il n'y a pas de comment dire ouais où il n'y a pas de choses violentes où il n'y a pas de description des fois malaisante sur le sexe où clairement tu te dis c'est pas possible. Là c'est 5 étoiles, voilà, désolée de autant m'étaler pour vendre ce livre mais c'est on enchaîne sur un autre livre 5 étoiles, il n'y aura que des 5 étoiles ce mois-ci. Waouh. Alors, je n'ai aucune idée comment je suis tombée sur ce livre. Est-ce que c'était un livre que j'ai ramassé comme ça à Cultura quand j'ai vu cette magnifique photo de lac? C'est tout à fait possible. J'ai aucun... Voilà, et vous voyez, il est pas mal... J'ai corné pas mal de pages parce que, waouh, il y a des... C'est trop... Voilà, alors déjà, c'est une... Ben, en fait, je suis trop contente puisque ce mois-ci, c'est 100% de livres écrits par des femmes. Écoutez, c'est rare puisque des fois, je me rends compte que je lis des livres beaucoup par des hommes. Et là, c'est vraiment cool. Et ça, pour le coup, j'ai envie de vous dire, je me suis même pas rendu compte de mon choix. Alors, Sandrine Collat, On était des loups. D'ailleurs, Sandrine est juste ici. Elle nous a accompagnés pendant cette lecture. Je vais vous lire le résumé. Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de 5 ans, Haru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude, ce monstre sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ses profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir, encore moins un homme fou de rage et de douleur, accompagné d'un enfant terrifié. Dans la lignée de « Et toujours les forêts », Sandrine Collat plonge son lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Au fil de ses pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance. Prix du livre France Bleu Page des libraires 2020, Grand Prix RTL Lire, les prix de la closerie des Lilas. En fait, j'ai envie de vous dire, dès que c'est pas un prix Renaudot, c'est génial. Genre vraiment, moi en fait, j'ai envie de vous dire que j'achète que des prix, des livres qui ont reçu des prix en fait. Donc, non, j'achète pas que des livres qui ont reçu des prix, mais clairement, quand ils ont des prix qui sont pas trop connu, en fait, c'est toujours une pépite. Et c'est une pépite, ce livre! Alors déjà, il faut savoir que la narration est très particulière. Et j'ai adoré tout de suite parce qu'en fait, on est vraiment en fait, dans une marée de pensées de notre cher Liam, puisque c'est une narration au jeu. Et en fait, il n'y a quasiment pas de virgule. Vous pouvez regarder une page, là je vous montre une page, il n'y a quasiment pas de virgule. On est vraiment sur un flot de pensées de ce monsieur, père, sa femme, donc, qui se retrouve avec ce fils. Et on sent tout de suite qu'en fait, il n'a jamais voulu de cet enfant, qui ne sait pas comment faire face à l'amour paternel qu'il est censé ressentir, alors qu'il est en fait d'une rage d'avoir perdu sa femme. Et ses pensées sont vraiment, mais brutes. Il y a des pensées où vous vous dites, mais waouh, comment on peut réussir à dire ça, à se dire ça? Et c'est vrai, il faut l'avouer, des fois, on a des pensées... des pensées très dérangeantes qu'on est très contente que personne n'entende. Donc je vais vous lire peut-être un passage pour vous montrer un peu la manière dont c'est écrit. Et d'ailleurs c'est fou parce que ça c'est le genre de livre, je me dis mon mec pourrait le lire, mais bon, il aime pas lire. Ce n'est qu'un môme, il aura bientôt 6 ans et à cet âge-là, on n'est pas prêt pour être un adulte. S'il perd du temps à regarder un papillon quand je l'envoie chercher de l'eau, c'est qu'il est capable de poésie. Cette poésie, il la perdra bien assez vite tout seul, la vie s'en chargera et ce n'est pas la peine de l'engueuler. Je crois que j'accepte simplement que ce soit un gosse, et ce n'est pas si facile quand soi-même on n'a pas eu d'enfance et on ne sait pas ce que c'est. C'est comme un canard ou un chien orphelin élevé par un humain. S'il n'a jamais entendu cancaner ou aboyer, eh bien il ne sait pas le faire. Au fond, on n'est pas mieux que les bêtes, il nous faut une référence. Moi, je le trouve émouvant, ce mioche, quand il réussit à enflammer la mousse pour que le feu parte et qu'il me regarde avec les yeux grands comme le ciel. Il y a des étoiles dedans. C'est un énorme voyage intérieur. Et franchement, contrairement à ce qu'on pouvait penser, puisque c'est un voyage intérieur, c'est des pensées, il ne se passe pas rien, puisque effectivement, Liam part en voyage à cheval. D'ailleurs, on n'a aucune idée à savoir quel est le lieu où ils sont, quelle montagne. On sait juste que c'est très reculé, très très vaste. Moi, personnellement, j'ai tout de suite imaginé que c'était plutôt aux États-Unis, hein, voilà. Mais il y a tellement de passages vraiment... Dans les grands bois, on crée des chemins d'exploitation pour les coupes d'arbres et l'année d'après, la nature a tout brouillé et les pistes forestières ont disparu. C'est ce que racontent les gars qui y travaillent. Moi, je pense que ce n'est pas du hasard. Je sais que c'est vrai parce que dans la montagne aussi, il y a des choses comme ça et je dirais que c'est plus subtil. C'est la nature qui efface les traces des hommes. C'est comme si elle nous détestait, la nature. Et dès qu'on fait quelque chose, elle tend à le détruire pour reprendre tout l'espace. On croirait qu'il n'y a pas de place pour elle et nous. Il y en a un de trop là-dedans.
Au début, je me rappelle, Henri disait que la nature a horreur du vide, alors elle le comble. C'est tout, mais à mon avis, c'est bien davantage. Ce n'est pas qu'elle le comble, elle ne se contente pas de remplir les vides. Si c'était simplement ça, dans le monde, il y aurait des œuvres à elle et à côté des œuvres à nous, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme quoi on est en fait dans le flux de pensée de l'IA, mais on se pourrait se dire que c'est pas poétique, des fois c'est pas... Je dirais pas que c'est vulgaire, mais c'est familier. Et en fait, on sent que c'est écrit en fait sans prendre sa respiration, et parce que c'est normal, puisque dans notre flux de pensée quotidien, on ne prend pas en fait de respiration. Ça vient, ça nous envahit. Et là, pour le coup, forcément, ça fourmille dans son cerveau, puisqu'il a vécu un moment traumatique avec le décès de sa femme et son départ tout de suite pour confier cet enfant qu'il ne se sent pas d'élever. Et d'ailleurs, je trouve ses pensées hyper brutes. Donc effectivement, c'est un chasseur, il vit de la chasse, et il n'y a aucun endroit par rapport à un autre livre que je vous avais présenté. Lui, je le mettrai juste là. Pareil, j'oublie les titres. C'est pas du tout décrit comme ça, puisque c'est pas du tout le sujet, la chasse. C'est plutôt en fait comment il aborde son approche de la nature, de la traque. C'est vraiment des descriptions en fait de ses sentiments, de son amour pour la nature, de son amour pour son lieu de vie, pour son amour pour sa femme, mais et qui a cet enfant au milieu et qui sait pas comment se comporter. Et justement, c'est peut-être autour de cette nature et grâce à la nature que Liam va enfin trouver le chemin vers son fils Haru. Magnifique prénom au passage. On a peut-être les mêmes choses qui nous traversent la tête et on ne le sait pas. Ça n'a pas d'importance. On ne met pas de mots dessus parce que les mots, il y a des moments où ça n'apporte rien. On est l'un à côté de l'autre et c'est ce qui compte. Ouais, c'est une pépite ce livre. 5 étoiles. Alors que franchement, je vous présente des livres qui ont des styles vraiment... des styles d'écriture totalement différents. Mais pour moi, c'est tout ça, c'est que des 5 étoiles. Vraiment. Magnifique. Bon, comme vous voyez, il y a toujours... il y a quand même toujours un point commun. C'est la nature, les histoires d'amour ou les histoires un peu compliquées. En termes de livre audio, je vous avais parlé, je pense, du Prince Cruel. Sur le livre audio, je vous ferai un topo, je pense, le mois prochain pour savoir un peu où j'en suis. Mais juste pour que vous sachiez, en ce moment, je suis en train de lire Le Roi Maléfique, qui est le tome 2 du Prince Cruel d'Holly Black, dont je vous avais parlé au mois... Et pour l'instant, je suis très contente de continuer à lire, enfin à écouter ce livre fantasy. Et ensuite, très, très, n'hésitez pas à me faire vos recommandations, comme toujours, en commentaire. Merci beaucoup de soutenir cette rubrique par vos petits vues, vos petits likes, vos petits messages. Ça me touche toujours énormément. Je vous souhaite plein de belles lectures, de belles découvertes en ce printemps. Je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like et bye bye!